Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sixième jour de notre neuvaine, la neuvaine du perpétuel secours de Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie. Alors, nous prions depuis le début de cette neuvaine pour obtenir le pardon de nos péchés, la repentance et surtout notre purification auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, nous allons demander pardon en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricordieux, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te présenter une fois de plus cette neuvaine, afin que tu nous accordes ton pardon, afin que tu nous donnes la force d'avoir la domination sur nos addictions, la domination sur le péché, la domination sur le mal. Alors, que ton Esprit Saint continue à nous éclairer, à nous apporter la force nécessaire pour pouvoir résister à ce péché. Bien-aimés en Christ, nous allons commencer la lecture de notre sixième jour de neuvaine. Ô Mère du perpétuel secours, parce que vous êtes bonne et que vous êtes notre Mère, la souffrance vous a faite compatissante à nos peines. Cette compassion, à notre égard, je la vois dans vos yeux empreinte d'une pitié attendrie. Il se fixe moins sur votre divin Fils que sur vos pauvres enfants de la terre. Qu'il est doux à l'âme accablée de rencontrer un cœur ami qui sache compatir. Mais quand ce cœur est celui d'une mère et d'une mère telle que vous, c'est l'une des plus grandes consolations de la vie. À vos pieds, je viens donc reprendre courage, ô mère compatissante. Je suis sûr que vous n'abandonnerez pas votre enfant. Écoutez le cri de ma misère. Dites à mon âme la parole qui console et accordez-moi la faveur que j'implore de votre bonté. Amen. Très Sainte Vierge Marie, nous te demandons vraiment de nous obtenir cette grâce du pardon, cette grâce de la repentance, cette grâce vraiment de renouveau. Obtiens-nous auprès de ton Fils Jésus-Christ cette demande auprès de lui, qu'il nous purifie, que son précieux sang puisse nous laver de tout péché, que son précieux sang puisse nous vivifier. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous, implorer votre protection ou réclamer votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Seigneur, avec ta mère ici présente, nous voulons te dire tout simplement merci. Seigneur, merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné la foi. Merci de t'être donné pour nous. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir exaucés. Car tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu d'amour, le Dieu de patience, le Dieu de miséricorde. Bien-aimés en Christ, c'est sur cette note de prière que je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et bonne neuvaine. Amen.